sur la chaîne secondaire la présentation du poste à souder par points. Vous avez la vidéo en description de cette vidéo. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais faire une réparation de lampadaires qui sont en panne. Ce sont des lampadaires solaires qui fonctionnent avec des piles au lithium. Je vais utiliser un poste à souder par points. Vous avez la présentation sur le i à ce niveau là ou en fin de cette vidéo. J'avais déjà ouvert un lampadaire afin de pouvoir commander les piles. Donc j'ai retiré les vis du lampadaire, ensuite j'ai retiré la batterie, j'ai retiré le plastique. La pile, celle-ci, elle est totalement morte. Donc là, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Je vais faire vraiment la même installation. Je vais les mettre dans le même sens. Je vais peut-être mettre un peu de colle ici, afin de les maintenir de cette manière-là. Et là, il y avait une languette qui faisait toute la longueur. Des deux côtés, je vais la remettre là. Je vais en mettre deux petites languettes sur la partie haute. Et comme ça, je vais retirer les fils ici et je vais les remettre sur la languette. Voilà, j'ai fait un petit système très rapide. Voilà, simplement pour les maintenir. Donc j'utilise le fil de 0,15 mm, je me mets en deux pulsations et je me mets à 90%. J'ai fait la soudure de la languette et maintenant je vais mettre mes petites languettes. Bon, là c'est le moment où je suis le moins à l'aise. Avec un fer à souder, je retire les fils électriques des anciennes bandes. Ensuite, je ressoude les fils électriques sur de nouvelles bandes. Et je vais ensuite les ressouder sur les piles, avec le poste à souder par points. Donc j'espère que ça va aller. Comme ça, le fait de faire la soudure sur les languettes, ça m'évite de faire la soudure directement sur la batterie. Et étant donné que je ne suis pas du tout à l'aise, vous voyez, j'aurais pu faire trop chauffer la pile au lithium par exemple. Et c'est très mauvais, elle pourrait prendre feu. Et voilà, a priori c'est terminé. Je vais voir s'il y a du courant 8,1 volts. Ça a l'air de fonctionner. Sur les piles d'origine, il y avait une protection. Est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre une protection? On va aller dans le noir, voir si ça fonctionne. Donc voilà pour la première réparation, là je vais faire la seconde réparation dans le même principe. Alors là je vais tester avec la petite pédale, normalement qu'on connecte ici. Et après quand on appuie, ça enclenche. Là j'appuie sur la pédale. Et voilà, les deux fonctionnent. Voilà pour la réparation des deux lampadaires. Au final, ça s'est bien passé, les deux lampadaires refonctionnent. Sur la chaîne secondaire, normalement la vidéo sera ici. Vous avez une petite présentation du poste à souder. Si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Par exemple, est-ce qu'il aurait fallu que je remette une protection sur les piles? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo.
En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.